Bonjour à tous, Gabriel David-Chebel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence. Aujourd'hui, Alvin m'a demandé de parler un peu de mon quotidien et de mes rituels d'entrepreneur. J'aurais pas pensé à cette question, mais c'est l'occasion d'en parler, de voir si de facto ça vous intéresse. Moi, le rituel, c'est le matin, quand je me réveille, je regarde mon téléphone comme beaucoup d'entre vous et je regarde mes mails. Souvent dans la nuit, c'est plus pour effacer les spams de la nuit que pour avoir des choses très intéressantes. À part un client qu'on a à Tahiti et qui a la mauvaise habitude de nous faire des mails un peu compliqués à gérer depuis Tahiti, et ça arrive souvent la nuit quand ça concerne les mails de Tahiti, vu qu'on a vraiment 12 heures de décalage. Par la suite, je m'occupe de mes enfants et je les amène à l'école, et pour moi c'est quand même un moment important que ce soit régulier cette activité d'amener les enfants à l'école, c'est l'occasion de parler avec eux. C'est vrai que le soir c'est plutôt ma femme qui va les chercher et qui souvent les couche sans que je les voie nécessairement, ou j'arrive juste à l'heure du coucher. Après j'arrive à l'agence directement, j'ai la chance, je vous en ai déjà parlé, d'habiter pas très loin et de me déplacer en vélo, donc un quart d'heure après, donc vers 8h45, 8h50 j'arrive à l'agence. Il n'y a encore pas grand monde, il y a deux personnes qui sont souvent là tôt le matin, c'est Jérémy et Yann dans l'agence, et c'est l'occasion en particulier avec Yann de gérer les aspects administratifs. Et puis vers 9h30, la journée commence avec les rendez-vous externes et internes. Grâce à la nouvelle organisation dont je vous ai déjà parlé, j'ai beaucoup moins de rendez-vous externes et beaucoup moins de rendez-vous commerciaux. C'est Marc David en charge du commercial qui gère tous nos leads d'entrants, qui fait les premiers rendez-vous de qualification, etc. et qui choisit quand c'est pertinent de me faire monter sur des deuxièmes ou des troisièmes rendez-vous. Ce qui fait que cette année, j'ai quand même beaucoup plus le temps de me consacrer à l'interne et de travailler sur des vrais sujets d'amélioration avec les différents collaborateurs de l'agence. Et ça, c'est un vrai plus depuis la rentrée de septembre, de pouvoir se remettre à faire progresser l'agence, à la faire grandir, à faire en sorte que nos processus s'améliorent plutôt que d'être dans un truc très réactif où on gère tous les jours des ennuis, des contraintes, etc. Là, on arrive à être beaucoup plus dans des logiques d'amélioration et de processus d'amélioration. Un truc qui est essentiel pour moi, c'est le déjeuner du midi. Je suis assez infidèle à mes collaborateurs et c'est vrai que je déjeune assez souvent, très peu souvent avec eux le midi. C'est pas que je les aime pas, mais c'est vrai que pour moi, le midi est un moment nécessaire pour s'aérer. J'en profite pour déjeuner un peu avec des clients, mais surtout avec des partenaires potentiels, avec des amis, avec des relations. Et c'est l'occasion de m'ouvrir sur le monde, de renouer des contacts, de garder des contacts, et puis surtout sortir de l'agence et d'être dans une logique d'ouverture. Moi, ça a toujours été le cas, que ce soit dans mes vies de salarié avant ou même au lycée et au collège, j'avais besoin du midi pour pas voir les mêmes personnes. L'après-midi, ça reprend, beaucoup d'internes, beaucoup d'externes, et grosso modo, je quitte l'agence le soir vers 20h en vélo. Je rentre à la maison, je profite pour embrasser mes enfants, j'en profite pour voir ma femme, passer une soirée avec elle. C'est l'occasion aussi de laisser décanter certains sujets du boulot. Moi, je travaille beaucoup la nuit et c'est vrai qu'un certain nombre d'idées, un certain nombre de problèmes se résolvent en y laissant passer la nuit et en dormant. Et c'est vrai que moi, je crois beaucoup au fait de dormir sur une idée, de dormir sur un problème. Ça permet de se réveiller le matin souvent avec des solutions qu'on n'aurait pas eues dans la journée. Et accepter ce temps de respiration et ce temps de réflexion est un moment important et ça simplifie la journée. Voilà, ce nouveau numéro d'Enjoy the Day est terminé. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager auprès de vos proches. Et Enjoy the Day. Merci à tous.